pêcheurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mister Mister à peu près. Je voulais aller pêcher des petits gardons avec ce beau froid. Je voulais aller, par ce grand froid, je voulais aller pêcher le gardon, le petit gardon. En tout cas, essayer d'en attraper dans une gravière. Mais l'eau a monté de 3 mètres, comme vous avez pu voir. Les berges n'étant pas accessibles, je me rabasse sur l'étang des chairs. Voilà, je viens de commencer à m'installer. J'ai mouillé mon amorce, que je vais faire très sèche, mais je vais vous faire voir tout ça. Et je vais pêcher en tresse avec une tête de ligne, un sion d'un hose. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Voilà, j'ai rajouté un peu d'amande douce. Ça sent super bon. 2 cuillères à café hein, pour 1 kg. Un paquet de gros gardons. Et autant de terre. Vous voyez, elle n'est pas très mouillée. En fait, il y a à peine 3 secondes à la descente. Alors, je veux vraiment susciter un appel. Voilà. Donc, je vais pêcher là à 30 mètres. Je vais viser l'arbre qui est là. Voilà, à 30 mètres. J'ai pris les piquets de mesure. Cette fois, j'ai évité de faire monsieur à peu près. Donc, c'est mesuré. Et je vais pêcher avec la Super A 9 pieds sur laquelle j'ai mis un sion d'un hose. Mais je vais vous faire voir tout ça. Bon, alors il y a un peu de bruit de l'autoroute, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ce petit montage. Donc voilà, ça c'est une tresse en 8 centièmes. Une tresse en 8 centièmes. Alors déjà, utiliser un sion d'un hose. J'ai mis un peu de vernis à ongles pour ajouter deux traits de couleur sur le sion qui était jaune. Voilà, pour que ce soit un peu plus sympa à voir quand il y a du soleil. Voilà, donc c'est un corps de ligne en 8 centièmes en tresse. Voilà, et c'est un sion carbone. Voilà, on différencie les sions carbone, vous voyez, parce que le spigot, enfin l'embout du sion est noir. Quand c'est de la fibre, il est blanc. Ce que vous avez pu voir sur les photos, sur l'article. Voilà. Donc le corps de ligne en tresse, hein, comme je vous disais. Le moulin est bien chargé. Et puis, ma tête de ligne. Et voilà la longueur de la tête de ligne. Voilà, comme ça. Mon montage est très simple. Hein. Un émerillon, un deuxième émerillon, avec une petite tresse
Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi de pêcher avec une petite canne, une petite cage, pardon, Brennan Grip Mesh, qui a une petite potence. Voilà, pour gagner encore en inertie, pour que le poisson ne sente pas la résistance au moment de la touche. Voilà. Donc, c'est un montage que j'affectionne particulièrement en hiver. Et je vais même continuer à l'essayer en raccourcissant la prochaine fois encore plus la tête de ligne nylon. Voilà. Lors de mes prochaines pêches, j'essaierai de l'affiner encore plus pour qu'il soit encore plus sensible et encore moins lourd. Je vais tâcher d'essayer les montages qu'on voit sur internet de Lionel Schaeffer et Baptiste Montelmont, où il n'y a carrément presque plus d'émerillon, plus de ferraille, pour que ce soit ultra léger. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, le sion est à peine tendu. Il y a un peu de soleil, mais voilà, le sion est à peine tendu. Voilà, pour voir la moindre touche. Voilà, là, je pêche à 30 mètres. Bah voilà, comme quoi ils sont passés endormis que ça. Hein. Bah voilà les copains, une partie de pêche qui se termine. Bah, 3 poissons, 1 pour 8 touches, dont 3 poissons en 3 heures. Je suis un peu congelé, heureusement il y a un peu de soleil, ça réchauffe, mais bon il faisait 1 degré. Voilà. J'espère que j'aurai été assez clair pour mes explications pour le montage de ma ligne avec cette tresse, ce sion d'un rose. Voilà, pour en fait essayer d'être le plus sensible possible et d'offrir le moins de résistance possible à la touche pour que le poisson ne découvre pas le piège. Voilà. N'oubliez pas d'aller visiter Rivière Feeder et compagnie et de vous inscrire sur le groupe, de lire les beaux articles de pêchefeeder.com. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.